Bienvenue donc à tous les membres du conseil municipal dans ce lieu un peu innovant, ce lieu sportif. En effet, la salle Brassens où nous organisons les conseils municipaux traditionnellement est occupée, vous savez, pour des tests Covid. Et donc nous nous rabattons sur cette enceinte sportive. On me proposera peut-être un petit footing, si vous voulez, ne serait-ce que pour se réchauffer, parce qu'il ne fait pas très chaud. Bien, donc merci. Je procède à l'appel des membres du Conseil. Donc je suis présent ensuite. Jean-Marie Sabatier, présent. Isabelle Le Goff, Georges Lecave, Michel Guibal, Jean-François Faustin, présent. Elisabeth Blanquet, présent. Jean-Luc Barral. Alors Jean-Luc Barral arrivera avec un peu de retard car il plaidait au palais à Montpellier. Véronique Delorme, Jean-Jacques Pinet, Georges Bellard, Catherine Klein, Corinne Gonzalez, Patrick Javouret, a donné procuration, est absent, à Michael Deltour, Joël Mouchou, Rosemée Crémieux, Hélène Sinesi, Stéphane Garcia, Michael Deltour, Louise Jabert, Jean Garcia, Marie Passieux, qui a donné procuration à Madame Mediani, Claude Blau-Poncé, donc Paquita Mediani, Franck Rugani, Claudine Soulerac, Salvador Ruiz, d'accord, Sophie Ollier et Lorando. Voilà, merci. Nous procédons à la désignation de la secrétaire de séance. Je dis là parce que c'est la plus jeune et nous savons de qui il s'agit. Madame Jabert, voulez-vous bien officier ? Pas trop, non. Là, c'est l'âge qui prévaut, donc on ne peut pas. Voilà. Vous donnez avant. Alors, nous avons un ordre du jour assez resserré avec 12 points. Monsieur Do. Oui, monsieur le maire, j'aimerais. Est-ce qu'il est prévu de faire une minute de silence à l'honneur de monsieur Valéry Giscard d'Estaing ? Je sais pas, il en parlait. Écoutez, bien volontiers. C'est l'ancien président, quand même. Bien volontiers. Hein. Donc, on le fera, je poursuis, on le fera le moment venu. Merci, donc 12 points à l'ordre du jour. Dans les questions d'actualité, enfin pas d'actualité, mais quelques points préliminaires. D'abord, pour vous dire que nous organisons, comme cela a été prévu, une formation des élus du conseil municipal avec deux séquences, une demain, 4, et une la semaine suivante, le 11, je crois. Ça se déroule à la salle polyvalente de Nébian. Le repas sera pris sur place. Voilà. Alors, je ne sais pas combien il y a d'inscrits exactement. Quelqu'un, on le sait, combien il y a d'inscrits à la formation ? 18. Il y a 18. Oui. Madame Mediani ? Bon, écoutez. Très bien, merci. Ensuite, je voulais vous dire que nous avons, lors du précédent conseil municipal, des demandes d'informations ont été formulées par quelques élus. Monsieur Jean Garcia sur le PAE des Servières. Madame Claude Blau-Poncé sur la situation du personnel et le dispositif des œuvres sociales en vigueur, et Monsieur Ruiz sur la communication des procès-verbaux des commissions de sécurité concernant l'école Villard. Nous avons ces documents, ils seront annexés à la prochaine convocation du conseil municipal, dernier de l'année, qui aura lieu le 17 décembre prochain. Voilà, donc c'est tous les documents que vous souhaitiez vous seront adressés. Alors, je propose d'entrer maintenant dans le vif du sujet.
avec l'approbation du procès-verbal de la séance précédente du 5 novembre, qui vous a été adressé, Monsieur Rugani. Je m'étais abstenu Bonjour, Monsieur le maire. Je m'étais abstenu lors du dernier conseil sur le précédent PVE. PV, pardon, parce que je ne le trouvais pas assez explicite. Je voulais noter l'effort marqué cette fois-ci de faire un compte rendu bien plus explicite et qui reflète beaucoup plus les débats. Et je voulais vous en remercier. Donc voilà, je le validerai. Et il y avait quelques détails, mais donner quelques détails de modification ne ferait pas honneur à l'effort qui a été fait. Donc je vous remercie encore de cet effort. Bien, je vous en suis infiniment gré. Merci. Donc, je mets l'approbation du procès-verbal aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, le procès-verbal est approuvé à l'unanimité. Deuxième point concerne l'opposition au transfert de la compétence du plan local d'urbanisme, le PLU, à la communauté de communes du Clermontais dans le cadre de la loi Allure. Donc, c'est Jean-Marie Sabatier, premier adjoint en charge de l'aménagement, qui fait le rapport. Bonsoir à tout le monde. La loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové du 24 mars 2014, modifiée dans son article 136, relative aux communautés de communes et communautés d'agglomération, leur donnant désormais compétence en matière de PLU. Par délibération du 22 mars 2017, le conseil municipal de Clermont-l'Hérault s'est opposé au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes du Clermontais. Le président de la communauté de communes du Clermontais a informé récemment les maires des communes membres que, conformément à la loi Allure, cette compétence serait transférée de façon automatique au 1er janvier 2021, sauf si 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent par délibération prise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. Il a demandé à l'ensemble des maires des communes membres de ne pas acter dans l'immédiat ce transfert de compétences PLU. La commune de Clermont est en phase de révision générale de son PLU selon délibération 17 mars 2013. Les membres de la nouvelle équipe municipale sont donnés les moyens nécessaires pour relancer une dynamique de réflexion longtemps laissée en suspens sur l'aménagement de son territoire. En outre, il est important de conserver la maîtrise du PLU dès lors qu'il s'agit d'un outil essentiel pour agir sur la requalification du centre ancien et pour définir les lois d'utilisation de l'espace au plus près du territoire dans une véritable cohérence urbaine. Il est donc proposé de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes du Clermontais, de dire que cette décision sera publiée et notifiée aux autorités concernées selon les formes en vigueur, de demander au conseil communautaire de la communauté commune du Clermontais de prendre acte de cette décision d'opposition, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération, sachant que on a appris cette semaine qu'on va revoter la même chose au mois d'avril, je crois. Voilà. Mais comme ça avait été envoyé dans l'ordre du jour, on est obligé de l'acter déjà ce soir. Merci. Voilà, merci. Oui, simplement pour préciser que effectivement, on évoque ce sujet parce qu'il était déjà prévu à l'ordre du jour, mais que juridiquement, il faudra le passer devant le conseil municipal en 2021, au mois d'avril. Voilà. Donc, la commune souhaite conserver ses prérogatives en matière de plan local d'urbanisme. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, nous adoptons ce point de l'ordre du jour. Troisième sujet, précisément la révision générale du PLU avec le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD. Donc je vous dis quelques mots à ce sujet pour rappeler qu'il s'agit d'un document cadre de la plus grande importance puisqu'il fixe les orientations général en matière d'urbanisme pour les 10 années à venir. Donc il y a des choix
politiques qui doivent être faits. Et ensuite, le plan local d'urbanisme vient préciser et concrétiser les données tendancielles et les orientations contenues dans le projet d'aménagement et de développement. C'est donc un document très très important qui vous est soumis ce soir. Nous allons demander dans quelques instants à M. Jurado, qui représente le cabinet Urban Project, qui est présent parmi nous, je le remercie, de vous donner toutes les précisions utiles à la compréhension de ce document. En ce qui me concerne, je dirais simplement quelques mots, très rapidement. D'abord, qu'il reflète nos orientations programmatiques, puisqu'il s'agit, en ce qui nous concerne, d'accorder priorité au cœur de ville et au centre ancien. C'est notre priorité, je crois que c'est de manière à peu près constante d'ailleurs. Nous devons faire un effort considérable pour réhabiliter, rénover, oxygéner le cœur de ville et le centre ancien. C'est donc notre principale priorité. Ensuite, nous voulons, conformément à la politique de l'État, alors c'est des heures et des heures de réunion, nous avons récemment rencontré la DDTM, qui est la jonction des deux directions qui existaient précédemment, de l'agriculture et de l'équipement, pour voir si ce projet qui vous est présenté ce soir était en adéquation, en concordance avec les orientations de l'État. Parce qu'au-dessus, il y a le SCOT, le schéma de cohésion territoriale, et donc en dessous, le PLU avec sa révision. Et donc nous sommes en concordance avec les orientations données par l'État à tous égards. Nous voulons interrompre l'extension débridée de la ville sur sa grande périphérie par le truchement de lotissements qui ont tendance à endommager considérablement la nature et à poser des problèmes de tous ordres en termes d'aménagement, tout en reconnaissant qu'il a bien fallu, pendant une certaine période, faire face à l'accroissement de la population, à la pression démographique, et que tout cela s'est traduit par des extensions ici et là autour de la commune. Ceci étant, cette politique n'est plus de mise, et nous voulons recentrer la politique de la ville, précisément sur la ville intramuros, avec, en même temps, à la périphérie immédiate de la commune, notamment dans la ZAC dite de la cavalerie, peut-être un programme immobilier sous forme d'écoquartier, de telle sorte qu'on puisse donner à l'entrée de ville une bonne image. Et tout cela, bien sûr, avec le projet de demi-échangeur nord, qui apparaît comme une absolue nécessité. Et nous travaillons actuellement à l'inscription de ce dossier dans le contrat de plan État-région. C'est un sujet très important, car avec une entrée nord, on ferait d'une pierre deux coups. À la fois, ça permettrait d'oxygéner la ville avec une arrivée beaucoup plus immédiate dans la continuité urbanistique, et en même temps freiner les embarras de circulation qui ne manquent pas de se produire souvent à la sortie de sud de l'autoroute et dans la zone d'arrivée qui est celle, vous le savez, des Tannebasses et de la Salamane. Voilà, donc tout cela s'emboîte. Bien entendu, il y a également le contrat de Bourg-Centre sur lequel nous travaillons activement. Nous avons candidaté pour l'opération Petite Ville de Demain qui concerne les villes de moins de 20 000 habitants avec le projet majeur et essentiel de réhabiliter les centres-villes et les centres anciens, qu'il s'agisse de l'habitat, de l'embellissement de la ville et de la dynamisation ou de la redynamisation des commerces. 1000 villes seront choisies au plan national, vraisemblablement d'ici la fin de l'année,
Et nous recevions ce matin le sous-préfet. Il y a tout lieu de penser que nous serons retenus dans ce dispositif important, car il donne immédiatement accès à l'opération de revitalisation du territoire, l'ORT. Donc tout ça s'emboîte. Donc voilà, donc pour attirer votre attention sur l'importance de ce document, il est passé en commission aménagement, hein. Il a été étudié, avec un avis positif de la commission aménagement. Et donc ce soir, on le soumet à vos réflexions, à votre vote. Et avant cela, je devais demander à M. Jurado de vous donner les explications auxquelles vous devez avoir accès. Je m'écarte. Merci, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, pour une introduction plus que détaillée qui a permis déjà d'esquisser, je pense, le projet, les axes sur lesquels vous nous avez demandé de travailler. On est là pour répondre au projet de la commune et aux volontés de l'équipe municipale accompagnée de ses techniciens. Et en tant que bureau d'études, on n'est pas là pour faire ce que nous, on imagine de Clermont-Lérault, mais vraiment pour mettre en musique les attendus des élus. Avant d'aborder les grands axes de ce PADD, je vais pas rentrer dans le détail de tous les éléments, puisqu'en commission, on l'a fait, ça a pris deux heures et demie, je crois, à peu près, pour pouvoir aborder dans le détail le document que vous avez eu dans les mains. Monsieur le maire a déjà bien esquissé les axes principaux. J'en appuierai un ou deux supplémentaires pour bien comprendre les enjeux du document. En amont de cela, peut-être un petit cadrage juridique du moment dans lequel on s'inscrit aujourd'hui à travers le PADD, ce qu'on a déjà réalisé et ce qui nous attend pour pouvoir aller jusqu'à une approbation du document. Donc aujourd'hui, on est sur le conseil municipal dans la procédure de PLU qui s'appelle débat du PADD. Il n'y aura pas de vote sur ce PADD. Voilà, la procédure juridique ne prévoit pas de vote. Le PADD doit être présenté au conseil municipal dans sa globalité, donc il a été joint à la convocation du conseil municipal. Il doit avoir un temps d'échange offert dans le cadre du conseil municipal durant lequel tous les conseillers, tous les élus peuvent débattre, poser des questions, échanger entre les élus qui ont travaillé en commission sur le dossier ou pas, et nous poser des questions s'il y a des précisions à avoir pour bien comprendre le document qui est dans vos mains. Suite à ce débat, on va continuer à élaborer le PLU. Le PADD, c'est une pièce qui est extrêmement importante. Elle annonce les grands axes, la stratégie à mettre en œuvre sur le territoire. Mais il ne s'agit pas d'une pièce sur laquelle on instruit une autorisation d'urbanisme. D'accord ? Quand vos services instructeurs reçoivent un permis de construire, ils ont un certain nombre de documents à vérifier. Est-ce que le permis de construire est conforme ou compatible avec certaines pièces du PLU ? Mais il n'y a pas de hiérarchie des normes entre une autorisation d'urbanisme et le PADD. Le PADD, lui, est là pour annoncer le projet. Et ensuite, ce sont les pièces suivantes qu'on va élaborer qui seront là pour garantir la réalisation sur votre territoire. Donc, quelles sont ces pièces ? On a le règlement écrit. Voilà, le règlement par zone que vous avez au service urbanisme et qui dit les hauteurs, les reculs, les couleurs, les espaces paysagers et autres. On a le plan de zonage graphique qui définit les zones. Et en fonction de ces zones, on a des règles adaptées par zone. Et on a une pièce peut-être moins connue de tous qui s'appelle les orientations d'aménagement et de programmation, qui elles sont un peu plus tournées projet. Et qui prennent place sur les grands secteurs d'urbanisation, les fameuses zones AU, à urbaniser, et qui définissent des grands principes d'aménagement. Le règlement, on le respecte sur un principe de conformité, hauteur maximale 8,50 m, le permis de construire, il arrive avec 8,60 m, permis refusé. Ça, c'est la conformité, c'est l'esprit, la règle à la lettre.
l'orientation d'aménagement et de programmation, c'est la compatibilité. C'est-à-dire qu'à l'échelle de la zone AU, si on informe qu'on souhaite une voirie qui dessert la rue X jusqu'à la rue Y, sur un plan, on trace un trait. Le trait n'est pas figé. Voilà, il peut bouger, il peut être affiné en phase projet pour vraiment tenir compte de la réalité du terrain. Et ça, c'est ce qu'on appelle la compatibilité. La compatibilité, c'est si la règle, c'est 20, quand on est à 22, 23, on est compatible avec la règle. Voilà. En conformité, si la règle, c'est 20, l'application de la règle, c'est 20. Voilà. Donc ça, c'est les petites subtilités dans les différentes pièces qu'on va continuer à élaborer. Une fois que ces pièces auront été élaborées, donc le plan de zonage, le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation, l'évaluation environnementale du PLU, la façon dont on prend en considération l'environnement sur votre commune, là, vous aurez un nouveau conseil sur lequel vous allez délibérer pour arrêter le document. Si on a la majorité favorable au document qui sera présenté d'ici quelques mois, ensuite on partira dans les procédures administratives relatives au PLU, c'est-à-dire la consultation des personnes publiques associées. Le PLU sera envoyé à l'État, à la région, au département, à la communauté de communes, au SCOT. Voilà, toutes ces personnes-là émettront un avis sur le document établi. Et une fois qu'on aura récolté tous ces avis-là, on passera devant certaines commissions qui ont un droit de regard sur ce qu'on fait sur le territoire, et notamment la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui vérifiera qu'on est dans le respect des grandes directives nationales et des différentes lois qui s'appliquent en matière d'urbanisme. Une fois qu'on aura tous ces éléments-là, on désignera un commissaire enquêteur. Enfin, on demandera au tribunal de désigner un commissaire enquêteur. Et il y aura la fameuse enquête publique pour laquelle la population peut aujourd'hui réagir dans le cadre de la concertation. Et ensuite, elle pourra réagir dans le cadre de l'enquête publique et venir en entretien avec le commissaire enquêteur. Et au bout de cette procédure-là, le commissaire enquêteur rendra un rapport, et suite à ce rapport, on verra s'il y a la nécessité d'adapter certains éléments sur le PLU, et enfin, on pourra approuver le PLU. Tout ça pour vous dire que ces différentes procédures vont nous occuper encore sur l'année 2021. D'accord ? Pour arriver à finaliser le PLU, on a pour objectif une approbation tout début 2022. Voilà. Si vraiment il n'y a pas de dérapage, que le document proposé correspond aux attendus des services de l'État et des autres personnes publiques associées, on arrivera à finaliser un PLU pour tout début 2022. Voilà un peu le planning et le déroulé. Est-ce que sur l'objet même du PLU, son élaboration, sa procédure, certains d'entre vous ont des questions et souhaiteraient des précisions, ou est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? Ok, parfait. Donc, oui. Le PADD, bah, parfait. Bah, vous pouvez féliciter les élus, les techniciens qui ont travaillé aux côtés et à nos côtés. Et voilà, ouais, parfait. Oui, madame. Madame Blau-Poncet, pardon. Oui, non, moi. Par rapport à la ressource en eau, parce que bon, on parle PADD, on ne parle plus, on parle donc avenir et perspective. Et c'est vrai qu'on a quand même un gros souci au niveau de Clermont-Lérault par rapport à la ressource en eau. Donc voilà, c'était simplement aussi pour faire les liens avec cette problématique-là et la gestion de l'eau. Tout à fait. Sur la gestion de l'eau, le sujet est assez simple. C'est-à-dire que si auprès des services de l'État, dans l'argumentaire de cette fameuse évaluation environnementale que je vous ai exposée, dont l'eau est une composante des études à mener dans le cadre du PLU, on ne garantit pas l'adéquation, ce qui s'appelle techniquement besoin-ressources. C'est quoi la ressource sur le territoire? C'est quoi le besoin lié à la croissance démographique du territoire? Là, on va monter d'un cran à l'échelle du Clermontais. Si on n'apporte pas cet argumentaire-là, de toute façon, toute ouverture à l'urbanisation du PLU sera reportée à sine die, c'est-à-dire qu'on ne pourra avoir que des zones bloquées au sein du PLU,
dans l'attente de la bonne ressource en eau. C'est ce qui est arrivé dernièrement. Donc, c'est pour ça que je dis que le problème de la ressource en eau actuelle, bon, après à venir, je comprends que dans le cas des études, ça va être fait, mais actuellement, on a quand même un gros souci. Tout à fait. Et sur ce sujet-là, la communauté de communes actuellement est en train d'élaborer le schéma directeur de la ressource, de l'adduction en eau potable. Et donc, c'est ce schéma directeur qui va valider la ressource à l'échelle du territoire et qui va permettre de valider une répartition entre les différentes communes du territoire et éventuellement la nécessité de trouver de nouveaux captages, d'augmenter les DUP, de tirer des réseaux pour avoir un maillage différent entre les communes. Voilà, on sera obligé de rentrer dans cette politique de réflexion intercommunale et clairement l'Hérault ne pourra pas avancer seul dans son coin sur ce sujet-là, comme toutes les communes du Clermontais ne pourront pas avancer seules sur ce sujet-là, puisque vous avez bien raison de le rappeler, l'État et la mise seront très regardants, l'ARS, pardon, surtout le pluvial, et l'ARS ne manquera pas de nous faire un avis détaillé sur les capacités du territoire et ce qu'on peut y faire. Donc ce PADD, monsieur le maire a déjà esquissé certains axes majeurs du projet que vous avez retrouvé. Vous avez vu les structures en orientation, et à l'intérieur de ces orientations, on retrouve des objectifs. Il n'y a pas de hiérarchie juridique entre la façon de présenter les orientations. On va dire que quand même dans la façon de les dérouler, il y a quand même un sens. Et je pense que vous l'avez bien retrouvé. Le sens aujourd'hui, la priorité, c'est le cœur de ville, la redynamisation du centre-ville de Clermont-l'Hérault. On va voir, ça passe à travers plusieurs thématiques. Ensuite, une fois qu'on sort du centre-ville et de cette redynamisation sur tous les aspects, il y a la préservation de l'environnement, de l'agriculture, de l'eau, voilà, des ressources du territoire. Et enfin, il y a la structuration et le rôle que doit jouer Clermont-l'Hérault à l'échelle du Clermontais et du pays plus largement. Voilà, on est sur une commune centre, on est sur une commune extrêmement importante dans le rôle qu'elle joue pour le territoire. Et donc c'est sur elle que le territoire doit s'appuyer pour accueillir de nouveaux habitants, pour accueillir de nouveaux équipements, pour jouer le rôle de centralité que se doit de jouer Clermont-l'Hérault. Donc à l'intérieur de l'orientation numéro 1, peut-être dans le désordre, je le fais de mémoire, voilà, veuillez m'excuser, mais voilà, comme il n'y a pas de hiérarchie particulière, c'est pas bien grave. Sur la redynamisation du centre-ville, il y a plusieurs axes. On a un axe activité dynamique économique. Et si je dois le traduire en une phrase, pour pas être trop long, c'est de dire la priorité commerciale au centre-ville de Clermont-l'Hérault. Donc vous retrouvez, il y a une phrase assez forte qui a été inscrite au sein du PADD, c'est interdiction de nouveau développement commercial dans la zone d'activité des Tannebass. S'il doit y avoir une dynamique commerçante nouvelle à Clermont-l'Hérault, on la souhaite dans le centre-ville. Voilà. Ça va être notamment le rôle fort de la fameuse ORT, de l'opération de revitalisation du territoire, à travers laquelle vous allez définir un périmètre à l'intérieur duquel on autorise les implantations commerciales et à l'extérieur duquel on interdit toute implantation commerciale. C'est vraiment un élément assez fort. À travers cette dynamisation commerciale et également d'habitation, vous retrouvez tout un axe de valorisation des espaces publics. Voilà, c'est un programme ambitieux qui est issu déjà de plusieurs années d'études sur lequel voilà, les services municipaux, même l'ancienne municipalité a travaillé. Il y a une continuité, une remise en dynamique sur le sujet. Comment on passe vraiment dans l'action en matière d'intervention sur l'espace public, que ce soit profitable pour la dynamique commerçante-service, mais aussi pour la dynamique habitation. On y vient, le troisième pilier, la façon dont on va pouvoir intervenir sur certains îlots prioritaires à l'intérieur du cœur de ville pour pouvoir résorber certaines problématiques d'habitat insalubre, d'îlots vétustes, sur lesquels on va pouvoir avoir soit des curtages, soit des réhabilitations, soit des rénovations
pour vraiment avoir une amélioration de la perception qu'on a du centre-ville et sa dynamique. Le quatrième pilier qui a été travaillé en profondeur hein, avec des rédactions sur lesquelles je ne suis pas intervenu même, hein, c'est vous qui les avez travaillées, surtout sur la dynamisation touristique, ou dans une première version de PADD, on parlait beaucoup dynamique et touristique, mais très tournée, très centrée Salagou. Il y a eu cette volonté de replacer le centre-ville et le patrimoine historique de Clermont-l'Hérault dans la dynamique touristique. Donc vous retrouvez des lieux qui ont été ciblés avec une vraie volonté de valorisation touristique, de donner envie aux visiteurs de se stationner et d'aller déambuler, pratiquer la ville. Voilà, pas que les résidents, pas que les gens qui viennent pour les commerces et les services, mais aussi des touristes. Avec, voilà, en tête de pont, on a vraiment un objet fort d'attractivité à travers le Salagou. Mais oui, je viens au Salagou, mais je vais aussi visiter Clermont-l'Hérault et son patrimoine historique. Donc ça passe par pas mal d'actions qui ont été mentionnées et ciblées. Ça sera aussi en lien avec la politique de stationnement qu'on retrouve sur les autres axes. Si on veut dynamiser le commerce, si on veut rendre attractif l'habitation en cœur de ville, si on veut donner envie aux touristes, aux visiteurs de se rendre au centre-ville de Clermont-l'Hérault, il faut qu'on puisse se stationner facilement et avoir facilement accès à tous ces espaces-là. Sur l'orientation numéro 2, la structuration environnementale et agricole, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails juridiques. Ça s'appuie sur des aspects juridiques qui sont encadrés par le Code de l'environnement également et le Code de l'urbanisme, ce qui s'appelle les trames vertes et bleues. Donc tous les corridors écologiques, la trame verte et bleue à l'échelle du territoire, la trame verte et bleue à l'échelle plus de la ville. Il y a la nécessité de devoir protéger les espaces écologiques à enjeu sur les territoires communaux. Et ça, c'est un axe qu'on retrouve, qui devra se traduire dans la façon dont on va spatialiser le plan de zonage. Il y a la nécessité de prendre en considération le risque. On n'est pas une commune qui est couverte par un plan de prévention des risques. Voilà, aujourd'hui, l'État n'arrive pas à couvrir toutes les communes de la France par des plans de prévention. Il priorise. Aujourd'hui, voilà, Monsieur le maire me disait, et votre adjoint à l'urbanisme, me mentionner le fait qu'ils avaient contacté le préfet, de dire voilà, comment aujourd'hui ça en est où, est-ce que sur Clermont-l'Hérault il pourrait y avoir des choses, mais ils privilégient les communes littorales qui a priori sont plus frappées par des incidences. Un jour ils s'intéresseront à Clermont-l'Hérault, mais pour l'instant on n'a pas. Donc on a un aléa inondation qui est connu sur certains cours d'eau, encore vieillissant, certainement avec des données sur lesquels on travaille à l'époque, qui ne seraient pas les données d'élaboration d'un PPRI actuel, mais ça a le mérite d'exister. Mais il y aura quand même des précautions à prendre sur les abords des différents cours d'eau. Il y a de la doctrine de pratique de la part des services de l'État. On nous a fait mention dans le cadre de réunions de travail avec les services de l'État qu'en janvier, on allait avoir une nouvelle carte du risque incendie, pour lequel on sera obligé de se mettre en conformité, de la prendre en considération. Donc tous les secteurs de Puège, de Garrigues, qui ont pu être urbanisés par le passé, sur ce qu'on appelait des zones à 4000, à 5000, des zones à 10000, où on avait les zones NB, où on avait le droit de construire si on avait une certaine taille de parcelle. Voilà, aujourd'hui, ça, c'est plus dans l'air du temps, parce que la loi a supprimé ces possibilités-là. Donc on va devoir travailler un PLU différemment, puisqu'on n'aura plus le droit d'imposer des tailles minimales de parcelles. Il faudra qu'on réfléchisse au devenir de ces secteurs, les coteaux, les puèches, les secteurs de garrigues où il y a des habitations. Ça sera difficile de prévoir de l'urbanisation nouvelle sur ces espaces-là. Et c'est la raison pour laquelle voilà, l'apport de logements, de nouveaux logements, va plutôt se recentrer sur les espaces proches du centre-ville. Ensuite, en matière de préservation environnementale paysagère, deux axes forts par rapport à l'ancien PLU et au projet à venir. Le premier,
c'est la zone qui aujourd'hui était inscrite dans le PLU entre le secteur des Tannebas et le secteur de l'Estagnol. En fait, vous avez sur votre PLU en vigueur une grande zone constructible qui permet de relier ces deux secteurs, vraiment en vitrine de l'autoroute. Donc ça, c'est un secteur aujourd'hui sur lequel on a acté la non-urbanisation pour maintenir la qualité du paysage perçu de Clermont-Lérault, qui nous semble être la vitrine du territoire. Et ensuite, par rapport à la volonté de la création du demi-échangeur, on a eu des craintes émises par les services de l'État de dire si sur le secteur de l'Estagnol, on vous autorise un demi-échangeur. Je ne sais pas si tout le monde a en tête le projet technique, mais pour pouvoir sortir et re-rentrer sur Clermont-Lérault, on bascule à Clermont-Lérault, mais côté Brignac, pour ensuite repasser sur Clermont-Lérault. Et là, ils nous ont dit, ah non, si on vous autorise ça, il y a une voirie, qui dit voirie dit urbanisation, vous allez vous appuyer sur cet axe-là pour urbaniser à l'est de la 75. Nous, on ne peut pas laisser faire. Voilà, vos élus qui vous représentent à ce moment-là, les techniciens, ont dit non. C'est pas du tout le projet de Clermont-Lérault. On ne compte pas urbaniser à l'est de la 75. Voilà, il y a eu la Salamane. Maintenant, l'enveloppe, elle est définie. L'urbanisation va se finir, mais on ne compte pas l'étendre. Donc, on a traduit ça clairement dans le PADD, de dire non, il n'y aura pas de nouvelle construction à l'est de la 75, ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout la volonté. Voilà, cet axe-là. Et après, sur le volet agricole, ouais, ça va un peu dans le même sens. Maintien de la plaine agricole, maintien au maximum des secteurs où on a l'irrigation, ce qui est un atout assez fort et pas tout le territoire érolté est couvert par ces systèmes d'irrigation. Donc, être précautionneux sur la ressource agricole et les espaces qu'on va urbaniser dans cet axe-là. Et enfin, donc, valorisation du centre-ville, la priorité, le socle environnemental agricole, et enfin, le développement global de la commune. Et ce qui s'appelle prioritairement ce qu'on retrouve dans cet axe 3, c'est... Bon, il y a une thématique mobilité, je vais pas trop la détailler. Dans les grands axes, c'est valoriser les cheminements doux, arriver à améliorer la structuration en mobilité douce de la commune. Continuer à étudier la possibilité de valoriser le tracé de l'ancienne voie ferrée. Voilà, c'est pas facile, c'est coûteux. Il y a RFF au milieu qui demande des montants importants pour restituer son patrimoine, mais on y voit un intérêt quand même intéressant, puisque c'est vrai que j'ai oublié de parler de ça. Renaturation du Ronel en réflexion, la voie ferrée, ça fait une sorte de croix comme ça qui dessert vraiment la globalité du territoire clermontais. Donc c'est des cheminements doux intéressants pour les piétons, les cycles, pour desservir les différents équipements publics structurants et les différents quartiers. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là, mobilité douce, mobilité routière aussi avec les enjeux, le demi-échangeur, la liaison de Tannebas-Estagnol, voilà aussi, qui est un secteur avec cette voie de liaison qui serait quand même intéressante à pouvoir structurer pour la commune. Et enfin, des objectifs chiffrés. Objectifs chiffrés d'apport de population, d'apport de logement et de consommation d'espace. Ça, la loi nous impose dans les textes d'avoir ces objectifs-là au sein du PADD. Alors, sur tous ces éléments-là, c'était peut-être la partie la plus difficile à rédiger pour qu'elle soit compréhensible et pas trop technique et indigeste. On l'a pas mal retravaillé, ça reste complexe à appréhender, mais il y a un jeu d'imbrication. La donnée de départ, c'est l'apport de population, donc la croissance démographique. C'est l'élément qui actionne le reste dans la façon de calculer les différents éléments. Sur ce taux, on n'est pas libre, on ne fait pas tout ce qu'on veut. On est obligé d'être en cohérence avec l'échelle territoriale du pays, puisque dans le cas de l'élaboration du SCOT, la DDTM a émis un porté à connaissance, a fixé la règle du jeu, et le pays, dans son travail à l'échelle du SCOT, a
engagé des tractations avec les services de l'État pour savoir quelle population on pouvait accueillir et pourquoi les services de l'État sont regardants sur ce taux-là. C'est parce que qui dit apport de population dit consommation d'espace. Voilà. Aujourd'hui, l'État est surtout très strict et à vif sur la consommation d'espace de nos territoires agricoles et naturels. Et il sait que s'il lâche la bride sur l'apport de population, indéniablement, ça va générer une capacité à justifier de la consommation d'espace. Ce qui veut dire que demain, on fixe un objectif de population. Si on réhabilite tout le centre-ville de Clermont-Lérault et qu'on a... c'est de la fiction, ça ne sera pas le cas, mais on serait capable d'accueillir 2000 habitants dans le tissu existant, personne ne serait contre, aucune loi ne l'interdirait, parce qu'on ne consommerait pas d'espace, ça serait du renouvellement urbain permanent, et donc il n'y aurait pas de perte d'espace agricole et pas de perte d'espace naturel. Ça ne sera pas le cas, mais c'est juste pour vous donner un peu les raisons du pourquoi. À l'échelle du SCOT, les derniers chiffres que nous ont donné le SCOT et les négociations, ça tournait autour des 1,2% de croissance démographique. Voilà, avec vos élus, avec les services, on se dit, c'est quand même pas beaucoup. On est la commune de Clermont-Lérault, on est la commune centre, on a un rôle à assumer, il faut qu'il y ait une dynamique, on peut pas s'endormir. Donc on s'est dit un chiffre raisonnable à 1,5. On pense que ça va passer et ça permet de fixer cet objectif que j'arrondis à 11 000 habitants à échéance 2030. Voilà, on arrive à 10 900. C'est ce qu'on a présenté au service de l'État. Franchement, ça a été accueilli vraiment à bras ouverts. On dit, voilà, c'est normal. On sait qu'à l'échelle du territoire, on va demander un peu moins, mais c'est normal et dans la logique des choses que Clermont-Lérault ait un taux de croissance démographique supérieur à des plus petites communes qui n'ont pas les équipements, les services, les commerces, la capacité à pouvoir utiliser les mobilités douces pour se rendre sur ces services et ces commerces. Donc, il n'y a pas eu de blocage là-dessus. Donc, 1,5% de taux de croissance démographique, 10 900 habitants. À partir de là, on regarde quelle est la dernière donnée INSEE connue. Elle est en 2017. On a vu le nombre d'habitants nouveaux mathématiquement parlant, statistiquement parlant, entre 2017 et fin 2030. Donc c'est pour ça qu'on parle de 2031, parce que la donnée INSEE, c'est au 1er janvier. Donc on sera obligé de prendre la donnée INSEE de 2031. On a vu le nombre d'habitants. On a divisé par le nombre d'habitants par logement. Alors là, c'est aussi une donnée, des fois, où on m'interpelle. On dit, elle est bizarre, cette donnée, 2,1 habitants par logement. Alors qu'on a plutôt des maisons, c'est quoi ce chiffre? Mais c'est la donnée officielle de votre territoire. Aujourd'hui, il y a 2,2 habitants par logement, et dans 10 ans, on sera à 2,1. C'est ce qui s'appelle le desserrement des ménages, en fait. Voilà. Quand on remonte la donnée INSEE, dans les années 60, il y avait encore 4, 5, 6 personnes par logement. Aujourd'hui, on est plutôt à 2. Je ne vais pas la rentrer dans l'explication démographique, mais c'est une réalité et c'est les chiffres. Donc on prend le nombre d'habitants objectif, on divise par 2,1 et on connaît le nombre de logements à produire entre 2017 et fin 2030. On a fait un travail de terrain, d'analyse de permis de construire pour savoir combien de logements ont été produits entre 2017 et aujourd'hui. On a pris les trois premiers trimestres de 2020, c'est vraiment une donnée très récente. 397 logements autorisés. On vient les déduire. Donc je crois qu'on est à peu près à 1100, moins 400. Il reste 700 logements pour répondre aux besoins de la population existante avec ce desserrement, cette baisse du nombre d'habitants par logement, et pour accueillir les nouveaux habitants. Sur ces 700 logements, on répartit la production, ça c'est ce que vous avez dans le tableau qu'on a fait en synthèse, on répartit la production de plusieurs façons. Le premier objectif, c'est de réduire le nombre de logements vacants sur Clermont-Lérault. Ça, on nous attend au tournant. La donnée INSEE annonce beaucoup de logements vacants sur la commune de Clermont-Lérault. Le SCOT va fixer un objectif de résorption de 30% du logement vacant sur le territoire à échéance 2040. Donc on est obligé de rentrer dans cette politique-là pour être compatible avec le document à venir. On ne sait pas quand est-ce qu'il sera approuvé, mais,
mais on devra le respecter à terme, donc autant anticiper et le respecter dès aujourd'hui. Et donc on s'est dit, il y a une vraie dynamique de volonté de valorisation du centre-bourg. On veut l'annoncer fortement auprès des personnes publiques associées et en communication extérieure. 30% de résorption d'ici 2040. Sur ce premier PLU, à 10 ans, on va se fixer 20%. Voilà, déjà un objectif assez fort. Ce qui fait que on a cette donnée-là, on répond déjà sur les 700, on est à 100, 150, je ne sais plus, à peu près, voilà, de dire, en 10 ans, on aimerait pouvoir réduire de 150 le nombre de logements vacants sur la commune de Clermont-l'Hérault, donc sur le centre-ville. Ensuite, on regarde la capacité du tissu. On a des lotissements en cours, ou des lotissements qui viennent juste d'être instruits, d'être autorisés. Donc on a des logements, des maisons qui vont pouvoir se construire sur ces parcelles-là. On a aussi, donc ça, on a fait le calcul précis, et 100% de cette offre-là répond dans l'objectif des 700 logements à produire. Ensuite, on a des parcelles qui sont constructibles à l'intérieur du tissu. Vous devez en voir quand vous parcourez la commune. Il y a des propriétaires qui ont un terrain, il est constructible, mais ils n'ont pas décidé de le construire ou de le vendre. Voilà. Ce n'est pas parce que dans le PLU, on dit « Ah, maintenant, il faut le construire » que les gens vont le faire. On n'impose rien à travers le PLU, on permet. C'est un document de planification et pas un document de programmation. Donc, on a mis un coefficient. On a dit « Sur les parcelles disponibles à l'intérieur des tissus hors lotissement portés par des opérateurs privés aujourd'hui, on a considéré que 30% de ces emprises-là vont être construites sur 10 ans. » Et qu'en fait, la globalité du potentiel serait résorbée plutôt sur une vingtaine d'années. En troisième lieu, on a la densification des parcelles construites, que vous devez certainement aussi observer, une dynamique très forte dans le département de l'Hérault. C'est simplement le fait que je suis propriétaire d'une maison sur une parcelle de 2000 m2, et je me rends compte qu'en fait, les documents d'urbanisme me permettent de diviser mon terrain et de vendre la moitié de mon terrain ou plus. Et donc en fait, de la base d'une maison sur 1000 ou 2000 ou 3000 m2, j'en ai plus une, mais à terme j'en ai 2, 3, 4. Voilà. Ça, c'est très difficile de l'empêcher. Pour l'empêcher, il faut déclasser les terrains dans les secteurs où on a un argumentaire, on le justifie, mais dans les espaces des quartiers constructibles, on peut l'encadrer, essayer de réduire une densification outrancière qui viendrait vraiment impacter le voisinage et autres, mais on ne peut pas l'interdire. Donc on est obligé de le rentrer dans les calculs. Et à partir de tout ça, on est venu déduire ce potentiel déjà existant, et il restait un certain nombre de logements à produire, ce qu'on appelle en extension, en nouveau projet, en extension du tissu existant. Et sur ce chiffre-là, on a appliqué un ratio de 30 logements à l'hectare. Donc 30 logements à l'hectare, c'est comme pour l'objectif de croissance démographique, c'est une donnée cadre qui nous est imposée par le haut pour réduire la consommation d'espace. On a le SCOT dans les réunions de travail qui nous a annoncé 35 logements à l'hectare pour les communes-centres. On a trouvé que ça faisait un peu beaucoup. Sur l'ancien PADD, pour les personnes qui étaient présentes quand je l'ai présenté il y a 2 ans et demi, on était à 25, ce qui était déjà supérieur à ce qui peut se pratiquer. On n'est pas monté à 35, on a fait une jauge intermédiaire à 30, et on s'est dit, on verra quand on va le présenter au service de l'État, est-ce que ça va passer ? Bon, c'est passé, ils nous ont dit oui, c'est bien, vous faites un effort, donc on est resté sur ce chiffre-là. Et donc quand on divise le nombre de logements à créer par 30 logements à l'hectare, on obtient un chiffre, le nombre d'hectares en extension, 18 et quelques. Ça, c'est l'enveloppe de surface à urbaniser qu'on va pouvoir intégrer dans le projet de PLU. Et si on simplifie, vous le retrouvez sur la carte, ça offre pas une multitude d'opportunités, ça permet pas du tout de réouvrir toutes les zones à urbaniser que vous avez dans le PLU en vigueur, ça permet de travailler sur deux secteurs, un secteur prioritaire, le triangle cavalerie, qui réinclut dans la globalité de la façon dont c'est cartographié en orange sur le plan que vous avez sur le document, ça fait une vingtaine d'hectares. Donc si on prend la décision de faire 100% de l'emprise sur ce PLU-là,
ça sera le seul projet. Mais on s'est quand même réservé la possibilité de voir si on pouvait avoir un petit projet sur le secteur de l'Arnée, dans cette fameuse grande dent creuse. Voilà, pas 10, 15, 20 hectares, un petit projet par rapport à ce qu'il existait dans le document en vigueur, en complément de la structuration plutôt d'un équipement public au sens coulée verte, parcours sportif, voilà, valorisation de l'environnement présent sur le secteur de l'Arnée. Il y a eu beaucoup d'urbanisation, beaucoup de quartiers, beaucoup d'étalements urbains. Voilà, on a considéré qu'il y avait besoin de renforcer la présence d'un équipement public au service de la population sur ce secteur-là. Donc, voilà pour l'habitation, la réflexion. En matière d'équipement, il y a un pôle majeur, le secteur de l'Estagnol, avec une dynamique existante et à renforcer, équipement sportif, voilà, prioritairement, avec un programme qui est un petit peu détaillé. Pas de souci là-dessus. Et puis après, je crois qu'on a fait le tour des grandes lignes du projet travaillé par tout le monde. Merci, Monsieur Jurado. Écoutez, j'ouvre le débat. Oui. Trois. Ouais. Donc, écoutez, je vais rebondir sur une des dernières thématiques que vous avez citées. Et finalement, vous avez donné quelques réponses à ce que je souhaitais aborder. C'est justement cette dent creuse qu'il y a entre le quartier des Fontenay et l'Arnette. Durant le confinement, on a pu s'apercevoir dans ce quartier que ce poumon vert situé entre ces deux quartiers était primordial. Donc, ce quartier a la chance d'avoir ce poumon vert. Aujourd'hui, c'est une zone AU. Vous l'avez précisé, vous avez l'air de dire finalement que ce qui pourrait être classé dans le prochain PLU, c'est plutôt des espaces sport et loisirs. Donc voilà, je ne peux. C'est justement là que je voulais qu'on prête une certaine attention. Bien sûr qu'il faut de l'urbanisation, mais en tout cas dans ce quartier, et encore plus dans la période qu'on vient de passer, on parle des dépôts, rien que les déjections canines, d'avoir un espace aujourd'hui qui permet aux animaux de compagnie de pouvoir les gambader. Donc voilà, je souhaitais dire juste qu'on aurait une attention particulière à cette zone. Et effectivement, si c'est pour développer du sport, du loisir ou de la zone verte, en tout cas, à fond là-dedans, mais de limiter, à mon avis, énormément et de ne pas forcément classer cette zone en zone urbanisée et plutôt dans des zones sport et loisirs. Voilà. Après, c'était ma remarque. Merci. Bonsoir. D'abord, je constate que vous êtes dans la continuité du PADD qui a été élaboré à ce jour. Toutefois, vous parlez de la cavalerie. Donc, en ce qui concerne la cavalerie, je suis un peu surpris de voir qu'on parle de la cavalerie maintenant. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un peu prématuré. À ce jour, voilà, comme monsieur vient de le détailler, il reste à produire dans les 10 années qui arrivent un peu plus de 500 logements. À ce jour, avec logiquement, l'entraîneur qui devrait arriver, qui va générer un espace qui pourrait être aménagé, qui avait déjà été ciblé à l'époque, aux alentours de 30 hectares, plus justement ce bout de dent creuse qu'on trouve au niveau de l'Arnée, qu'on peut orienter suivant, comme on dit, les décisions qui vont être prises. Donc je trouve que parler de la cavalerie à ce stade, je trouve que c'est un projet qui pourrait intervenir dans les 20 ou 30 années à venir et non pas maintenant. Donc commençons par justement boucher toutes ces dents creuses et rendre quelque chose, comme on dit, d'homogène pour pouvoir en même temps juguler aussi bien une certaine densité qui permettrait d'arriver aux alentours justement de 35 logements hectares, tout ça, ou même voire 30, puisque bon, apparemment on en serait à ce stade-là. Il suffirait de faire pour ça, de choisir ou de décider de faire quelques, ou en tout cas un ou deux R+4 qui permettraient de densifier et de pouvoir après faire des lotissements qui seraient beaucoup plus agréables. Donc voilà un peu, je veux dire, mon point de vue sur ce débat, voilà, pour qu'on reste sur quelque chose, avant tout combler les dents creuses. Voilà. Merci, je répondrai aux interventions successives. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, monsieur Garcia. Oui, on a évoqué par rapport aux différents risques sur la commune. Alors j'ai sorti sur le site de la mairie les risques inondations et coulées de boue.
22-10-2019, 13-10-2016, 12-9-2015, 23-8-2015, 27-11-2014, bon, notre en 2014, 2006, 2003, donc il y a quand même, alors ça fait grosso modo une dizaine de fois où ça a été classé en catastrophe naturelle, donc soyons vigilants, voilà. Et un mouvement de terrain en 2018, le 1er janvier 2018. Vous parlez de quelle zone ? C'est pas spécifié. Ce sont D'accord. les, je parle, ce sont des inondations écoulées de boue qui ont eu lieu sur la commune dans les, on va dire, les 20 dernières années, quoi. Mais il y en a eu surtout beaucoup depuis, ouais, depuis 2014, il y en a deux, 2015, il y en a deux, 2016, un, et 2019, la dernière. Voilà. Donc, on va être vigilant là-dessus. D'accord. Intervention. Madame Soulerac. Oui, moi, pour aller dans le même sens que Monsieur Ruiz, par rapport à la cavalerie, je l'ai évoqué d'ailleurs à la commission, je trouve dommage qu'on urbanise ces terres. Parce que pour penser aux générations futures, ce sont quand même des terres, enfin, ce sont des terres où il y a des vignes qui pourraient éventuellement après servir de réserve maraîchère. Moi, personnellement, je trouve que c'est un très bel endroit. Quand on chemine à pied ou à vélo pour aller aux Tannes Basses, qu'on passe par le chemin de 5 heures, on a un paysage magnifique. Donc, moi, pour moi, c'est pas le lieu que j'aurais choisi pour l'urbanisation. Ça, c'est un point. J'ai plusieurs petites remarques, mais dans la globalité, je suis d'accord avec l'esprit, avec tout ce qui a été défini, mais j'ai des petites remarques à faire. En ce qui concerne le tourisme, donc vous avez parlé du lac. Sur le lac, il y a le projet de la maison du grand site. Cette maison du grand site, donc, c'est portée par le conseil départemental. Les maisons de grand site qui sont situées à Saint-Guilhem-le-Désert et à Saint-Maurice-de-la-Vasselle, on peut dire que c'est un échec. C'est des grosses dépenses, ce sont des grosses constructions et finalement, ça n'apporte pas grand-chose au territoire. Moi, je trouve que pour des projets d'envergure comme ça, eh bien, ça serait souhaitable que les citoyens soient concertés, qu'il y ait peut-être un référendum et qu'on réfléchisse vraiment avant de faire de tels investissements. Mais pour le lac, j'ai beaucoup à dire parce que j'adore le lac du Salagou. Et donc, sur le lac, donc si, au lieu de faire un projet aussi grandiose, quelque chose de plus petit, par contre, des aires de pique-nique, des toilettes publiques, nettoyer par rapport à la prolifération des algues, ça, c'est nécessaire et indispensable si on veut promouvoir le tourisme. Actuellement, il y a aussi une nuisance sur laquelle il faudrait œuvrer rapidement aussi, puisqu'on veut développer le tourisme, c'est ces camping-cars qui stationnent de manière illicite sur des endroits où ils ne sont pas autorisés. Donc là, je ne sais pas, parce qu'il y a plusieurs structures qui interviennent, donc je ne sais pas quelle est la structure qui a le pouvoir de police pour faire simplement respecter la règle au niveau des camping-cars. Et puis il y a d'autres points, mais je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je trouve que ce sujet-là est passionnant, parce que ça engage notre territoire, ça l'engage pour l'avenir, donc on a beaucoup de choses à dire sur ça. Bien, merci Madame Soulerac. D'autres questions ? Oui. Merci. Pour répondre à votre question sur les camping-cars et l'aménagement au Salagou, c'est le grand site du Salagou et de Mourez qui s'occupe de ça. Et justement, il y a un projet là-dessus que Madame Passieux supervise. Donc, normalement, les camping-cars auront un parking ailleurs. Enfin, je sais qu'il n'y aura plus de parking au bord du lac du Salagou. Et donc, ça sera un espace végétalisé. Voilà. Merci. D'autres questions ? Oui, Madame
Claude Blau, pensez. Là, je prends ma casquette de responsable à aérotourisme. C'est dommage, Claudine, que tu n'aies pas été invitée l'an dernier ou que tu n'aies pas assisté aux rencontres citoyennes organisées par le syndicat mixte du Salagou, qui gère, comme vous le disiez, l'opération Grand Site du Salagou, qui est une opération d'envergure, et où a été présenté l'ensemble des projets, avec là, justement la possibilité pour les habitants de, évidemment, donner leur avis. Ensuite, dire qu'il y a 500 000 visiteurs qui viennent au lac du Salagou et que là, la maison départementale du Grand Site correspond, en fin de compte, à ce que disait tout à l'heure l'intervenant, la possibilité d'accueillir au mieux avec justement des possibilités d'animation, de liaison douce, de cheminement, et dire que donc la compétence tourisme, elle est à la communauté de communes du Clermontais et elle est au syndicat mixte. La commune de Clermont-Lérault, ayant sa commission de tourisme, peut intervenir évidemment au niveau donc de la structuration en lien avec les partenaires et évidemment intercommunaux et départementaux. Et ensuite, moi, une petite remarque pour le PADD. Moi aussi, par rapport à la cavalerie, ça me rappelle un point d'histoire, puisque j'étais élue il y a 15 ans avec Alain Cazorla et que j'étais contre ce projet de la cavalerie pour les mêmes raisons que viennent d'évoquer M. Salvador Ruiz et Claudine Soulérac. Simplement, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout sur la modernisation des réseaux. Donc autant je suis totalement d'accord sur ces perspectives qui donnent sur 30 ans ou 20 ans au moins des évolutions pour la ville, mais j'ai toujours en fin de compte ce leitmotiv de dire comment on modernise nos réseaux, que ce soit des voiries, que ce soit les réseaux électriques, que ce soit les réseaux d'eau. Et là, en fin de compte, on a quand même des gros soucis aussi en termes donc de vieillissement de ces réseaux. Voilà. Merci. Je vais apporter quelques des réponses, je ne sais pas, mais en tout cas participer au débat. Effectivement, sur la zone de l'Arnay qui était évoquée par M. Rugani, mon point de vue, c'est qu'il faut tendre vers quelque chose au moins de mixte qui privilégie la notion de loisirs et de poumons, parce que c'est vrai que c'est une zone qui est extrêmement dense en population et que il faut certainement ne pas continuer à urbaniser au maximum. Hein. Et c'est une zone que je connais bien, en plus, personnellement. Concernant ce que disait M. Garcia, ou alors c'est un problème général, hein. Il faut évidemment sécuriser le projet de PADD et de PLU, et faire attention à ces zones inondables. C'est vrai qu'il y a des sources, il y a des souterrains, il y a un tas de choses qu'il faut regarder de très près. Par rapport à ce que disait M. Ruiz, d'accord, notre priorité, je l'ai quand même rappelé, hein, notre priorité, c'est le cœur de ville et le centre ancien. C'est ça le cœur du PADD, avec un programme patient mais régulier de rénovation, de réhabilitation. On sait qu'il y a près de 700 logements vacants à Clermont. Bon, on ne pourra pas les faire occuper ou réoccuper comme ça d'un seul coup de baguette magique, mais c'est la raison pour laquelle on a prévu 20% de remplissage sur la période. N'oublions pas que le PADD, c'est un projet à 10 ans. Ça veut dire que, à mon avis, après c'est une question d'opportunité, mais à mon avis, il n'est pas trop tôt déjà pour préfigurer un avenir à échéance de 10 ans. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout de suite. Moi, je suis plutôt partisan, même carrément partisan, tiens, je vais prendre mes responsabilités, comme d'habitude, à une occupation urbanistique d'une partie de la ZAC de la cavalerie. D'abord, parce que je pense qu'il faut donner une bonne image de Clermont à l'entrée de ville et que les zones agricoles libres pour la détente, pour les paysages, pour la vue, ne manquent pas autour de Clermont. Et il me paraît important de développer cette notion d'éco-quartier, parce que il y a du bien vivre à la proximité de Clermont, et je trouve que c'est un projet intéressant. D'ailleurs, si on ne le fait pas là, où va-t-on le faire? Je vous pose la question, moi je ne sais pas. Et il faut bien convenir que Clermont est une ville bourg, une ville centre, une ville attractive, et qu'il va bien falloir accueillir
une population de manière raisonnée, raisonnable, mais qu'il va bien falloir mettre les gens quelque part. Et je pense que cette zone s'y prête à peu près avec une régulation, hein, puisque M. Jurado l'a dit, la progression démographique est contenue entre un 2, un 5, nous on plaide pour un 5, mais il ne faut pas oublier que cette ville doit se développer, clairement. Ça ne peut pas rester qu'un village, au sens strict du terme, il faut donner un peu de développement régulé, orchestré et maîtrisé. Et il me semble qu'à cet égard, cette zone peut offrir des perspectives. En ce qui concerne le Salagou, je fais d'abord observer qu'on est hors PADD, là. Hein. Bon, alors... Comment ? Oui, non, mais... dès lors qu'on parle de l'attractivité touristique de Clermont-l'Hérault, on évoque la proximité immédiate du Salagou et de Mourez dans le cadre du grand site. C'est normal. C'est un élément qui valorise l'attractivité de Clermont. Alors aujourd'hui, regardons les choses en face hein, et pas de travers. Une famille accueillie qui veut faire du tourisme et qui veut visiter nos terroirs, elle va aller au Salagou. Elle va aller à Mourez. Dites-moi, sauf si elle a de la famille à voir à Clermont, ce qu'elle viendrait faire aujourd'hui à Clermont-l'Hérault. Est-ce que vous pouvez me répondre ? Bon, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, le deuxième axe fort, très fort, de notre politique touristique passe par la revalorisation, la renaissance et la revitalisation de notre patrimoine, qui est aujourd'hui dans un état extrêmement dégradé. Nous avons reçu les représentants de la DRAC récemment, archéologie, bâtiments de France, monuments historiques. Ils nous disent tous la même chose. D'abord, ils sont prêts à nous accompagner, et ils le démontrent, puisqu'il y a déjà des subventions qui sont obtenues. Et ensuite, ils nous disent que Clermont est une ville remarquable, exemplaire hein, d'un point de vue patrimonial, historique et archéologique. Il y a l'oppidum de la Ramasse, hein, le château. Nous vous proposerons, lors d'un prochain conseil municipal, l'achat et la remise en état du château pour que ça devienne un lieu de fréquentation des Clermontais de la population accueillie. Pareil pour l'espace de Gorgen. Pareil pour les pénitents. En fait, c'est les dominicains qu'il faut rénover réhabilité pour en faire un lieu de fréquentation sur le plan culturel, associatif et autres. Et donc, si vous voulez, dans la politique touristique que nous voulons insuffler dans le PADD, il y a l'axe Salagou-Mourez, mais il y a aussi l'axe Clermont-l'Hérault intramuros. Et c'est très important d'insister là-dessus. En ce qui concerne le Salagou, effectivement, c'est un lieu magique. Hein. Moi, j'ai dû me baigner 3000 fois et j'ai dû faire 4500 footings entre Clermont et le Salagou. L'été, je m'y baigne tous les jours, par exemple. Hein. Il n'y a pas grand monde qui fait comme ça. J'adore ce lieu, il est magique. Mais il est aux portes de Clermont, donc il faut une convergence d'intérêts entre le département, le syndicat mixte et la ville pour faire progresser ce lieu qui doit rester un sanctuaire, de mon point de vue, un véritable sanctuaire, mais qu'il faut faire vivre et animer dans une perspective d'activité de plein air, de pleine nature, etc. etc. quoi. Voilà, j'ai essayé de répondre à peu près, enfin pas de répondre, mais participer à peu près au débat. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions ? Oui. Voilà, je voudrais poser une question à monsieur Jurado, excusez-moi. Est-ce que le point sur la valorisation du patrimoine culturel et bâti, ça comprend ce qui a été signé dans le cadre du Bourg-Centre, à savoir le SPR, le site patrimonial remarquable. Est-ce que c'est... Parce que monsieur Bessière, ce que vous avez dit sur le centre ancien, j'adhère à 100%. Hein, c'était... Enfin,
C'était aussi notre projet. On avait, c'était notre projet pendant la campagne électorale. C'est mon implication associative. Donc, bien évidemment, que je suis ravie que vous alliez dans ce sens. Mais là, c'est une question technique. Le site patrimonial remarquable. Voilà, c'est la question technique que je pose à monsieur. Ça s'élabore en parallèle du PLU, donc l'un n'est pas antinomique de l'autre. D'accord, merci. Voilà, c'est... Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, alors, il faut présenter un petit peu de temps en temps, hein, c'est plus marrant. Hein. Monsieur Jurado, sur une échelle de 0 à 10, je vous mets 9. Vous savez pourquoi? Dites-moi. Et parce qu'il faut voter le PADD. Bon. Vous pouvez prendre la décision de dire... Enfin, vous actez le débat. Ben voilà. Voilà. Moi, je préfère... Bon, ben je vous mets 10 sur 10, mais alors. Après, vous pouvez voter le fait qu'il y a eu le débat. Ça empêchera rien, mais... Ce que dire, il n'y a pas de vote pour ou contre le PADD ou pour ou contre la poursuite des procédures. De la procédure. 10 sur 10, hein, bon, allez, quand même. Oui, monsieur le Rugani. Il me vient une réflexion, je ne me permettrai pas de vous noter en revanche, mais par rapport au PLU, donc là on a un débat qui est présenté en conseil municipal pour le PADD. Ma question c'est, j'espère que la méthode pour discuter du futur PLU qui lui va être voté, par contre je me doute que ça aura lieu dans les commissions d'urbanisme, mais je me posais la question de savoir si on pourrait avoir un travail en commun qui serait un peu plus élargi que la commission d'urbanisme, parce que c'est quand même un enjeu à mon avis, le PLU, le PADD, enfin toute cette démarche qui est assez importante, et je pense qu'il serait intéressant que les élus qui vont se concerter, on soit sur un schéma plus large que la commission d'urbanisme. Voilà. Oui, je suis d'accord, ça ne me pose aucun souci. Formellement, il y a la commission d'urbanisme, d'ailleurs, il est déjà passé, hein, le dossier, mais après élargir à la participation, j'ai tout à fait d'accord, on travaille pour l'avenir, là. Hein. On dépasse les clivages des mandats électoraux, hein. C'est bien plus large et bien plus important. Donc... En ce qui concerne les orientations PADD telles qu'elles viennent d'être présentées, qui est contre? Qui s'abstient? Bien, bah, écoutez, merci. Pardonnez-moi, monsieur Jurado, d'avoir enfreint votre donnée technique, mais bon. Ensuite, on passe à des points beaucoup plus fluides. Hein. Mais tout aussi important. Hein. En parlant de fluide, le point 4 porte sur Héro Énergie, Jean-Marie et Isabelle. Bien, alors, urbanisme, Héro Énergie, approbation de l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat de véhicules électriques et ou d'occasion. Ils peuvent être électriques neufs ou électriques d'occasion, c'est ça ? Héro Énergie déploie depuis 2016 sur tout le territoire un réseau public pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Les premières bornes ont été mises en service fin 2016. 13 bornes rapides et 113 bornes accélérées sont aujourd'hui en service. Dans ce contexte, le syndicat organisme coordonne un groupement de commandes pour l'achat de véhicules électriques. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de Clermont d'adhérer à un groupement de commandes pour l'achat de véhicules électriques pour ses besoins propres, considérant qu'eu égard à son expérience, le syndicat Héro Énergie est en capacité d'assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'acte constitutif du groupement de commandes pour l'achat de véhicules électriques proposé par Héro Énergie, d'autoriser le président d'Héro Énergie en sa qualité de coordonnateur à signer et notifier les accords cadres au marché dans la commune de Clermont-l'Hérault sera partie prenante, dont la commune de Clermont-l'Hérault sera partie prenante, de prendre note que la participation financière de la commune de Clermont sera établie conformément à l'article 6 de l'acte constitutif 6 juin annexé,
d'autoriser M. le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de cette délibération. Donc j'étais... On a travaillé en visio avec Héro Énergie et les propositions sont... En fait, ils ont une force pour discuter avec les concessionnaires sur l'achat des véhicules, donc avoir des véhicules qui sont vraiment à un prix très bas. Et là-dessus, si on travaille avec eux, on a 10% de remise en plus. Et on travaillera avec eux éventuellement aussi pour les bornes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des véhicules électriques si on ne peut pas les charger, s'il faut les mettre à la prise du service technique. Donc là aussi, au niveau des bornes, il y a des propositions et avec des subventions pour arriver à faire des choses à des prix qui sont les plus corrects possibles. Voilà. Bien, bah écoutez, est-ce qu'il y a des questions? Bon, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ensuite, nous avons trois sujets connexes. Donc, je donne la parole à Jean-François Faustin, c'est de l'aide à la location au profit de commerce du centre-ville. Oui, bonjour. Donc, administration générale, aide à la location au profit des commerces ou activités artisanales en centre-ville, convention avec la communauté de communes du Clermontais et monsieur Romain Martinez, Capucine Fleur. Donc, par délibération en date du 19 décembre 2018, la communauté des communes du Clermontais a mis en place un dispositif d'aide au loyer en faveur des commerces ou activités artisanales s'implantant dans les centres-villes du Clermontais. Ce dispositif est fondé sur le versement d'une subvention à hauteur de 20% du montant du loyer acquitté par le commerçant ou l'artisan, avec un plafond à 1200 euros par an et une durée maximale de 2 ans. Elle est prise en charge à 70% par la communauté de communes du Clermontais et à 30% par la commune d'implantation, donc dans le cas Clermont-Lérault. Monsieur Romain Martinez a présenté un projet de reprise de l'activité de vente de Capucine Fleur située dans le centre-ville de Clermont-Lérault. Cette activité sera exercée sous le régime d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la raison sociale et la dénomination commerciale Capucine Fleur. Pour soutenir la réalisation de ce projet, la communauté de communes du Clermontais a approuvé par délibération en date du 20 octobre 2020 l'attribution d'une aide à l'allocation d'un montant de 1200 euros hors taxe par an au maximum sur une période de 2 ans, ainsi que le projet de convention 6 juin qui établit notamment la participation respective comme suit. Donc, montant maximum de l'aide à l'allocation 2400 euros, montant d'intervention de la commune 30% pour 720 euros, montant d'intervention de la communauté de communes, 70% pour 1680 euros. Il est donc proposé au conseil municipal de décider l'attribution à M. Martinez ou à la société à responsabilité limitée unipersonnelle Capucine Fleur, dont il est le gérant, une aide communale au loyer à hauteur de 720 euros maximum sur une période de 2 ans, soit 360 euros par an, dans le cadre du dispositif institué par la communauté de communes du Clermontais, d'approuver la convention d'attribution tripartite ci-jointe à intervenir avec M. Romain Martinez, d'autoriser M. le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de délibération. Donc, pour cela, il y a encore 2 autres. Si vous voulez, on les fait tous, si ça ne vous dérange pas. Formellement, il faut voter point par point. Mais c'est la même chose, hein, avec des personnes qui changent, des commerces différents et des montants qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais y a-t-il des questions sur ce point? Oui. Je voudrais savoir, Jean-François, s'il y a des règles d'attribution de ces aides. Parce que ces aides, je trouve que c'est vraiment le rôle de la commune de favoriser le commerce du centre-ville. Mais est-ce que, par exemple, s'il y a beaucoup de certains types de commerce, eh bien, est-ce qu'il est pertinent d'encourager quelqu'un qui voudrait s'installer? C'est pour ça que je voudrais savoir s'il y a des règles définies au niveau de la communauté de communes ou au niveau de la commune. Alors, en fait, c'est surtout la communauté de communes qui a la main là-dessus. Oui. Nous, on est partenaires là-dessus. Oui.
Oui, il y a des règles. C'est dans la première année, le dossier doit être créé dans la première année d'implantation ou de reprise. Mais par contre, par exemple, s'il y a 20, je dis quelque chose, je ne connais pas. S'il y a 25 coiffeurs, un 26e veut s'installer. Et voilà. Aujourd'hui, oui, c'est à libre concurrence. C'est à ce niveau que je veux dire. Hein oui, là, c'est à libre concurrence. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, vous ne pouvez pas vous installer. Ça fait, d'accord. Je pense, ça, c'est la communauté de communes qui le décidera. Oui. Mais aujourd'hui. Oui. Parce que peut-être ce qui est intéressant, c'est d'encourager un commerce qui va pouvoir bien tourner. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bien. D'autres questions ? Donc, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Il en est décidé. Ensuite, deuxième et troisième sujet, c'est la même chose. Voilà, c'est l'aide à l'allocation au profit. Donc, toujours pareil, c'est pour Madame Nadia Koui Baba. Donc, c'est Élégance Boutique. Je vais directement à... Donc, Madame Nadia Koui Baba a présenté un projet de création d'Élégance Boutique située dans le centre-ville de Clermont-l'Hérault. Cette activité sera exercée sous le régime d'une affaire personnelle commerçant. Nadia Koui Baba est sous la dénomination commerciale Élégance Boutique. Pour soutenir la réalisation de ce projet, la communauté de communes a approuvé par délibération en date du 20 octobre l'attribution d'une aide à l'allocation d'un montant de 1 200 euros hors taxe par an au maximum sur une période de 2 ans, ainsi que le projet de convention 6 juin qui établit notamment la participation respective comme suit. Dans le montant maximum de l'aide à l'allocation, 2 400 euros. Le montant d'intervention de la commune, 720 euros pour 30%. Le montant d'intervention de la communauté de communes, 1 681 euros pour 70%. Il est proposé au conseil municipal de décider de l'attribution à Madame Nadia Koui Baba pour son commerce Élégance Boutique, une aide communale au loyer à hauteur de 720 euros maximum sur une période de 2 ans, soit 360 euros par an dans le cadre du dispositif institué par la communauté des communes du Clermontais, d'approuver la convention d'attribution tripartite ci-jointe à intervenir avec Madame Nadia Koui Baba, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de la délibération. Merci. Sais-tu où il est implanté, ce magasin ? Oui, je l'ai noté. C'est 38 rue Doyen René Gosse. D'accord, donc c'est sur la nationale. Oui. À côté de la caisse d'épargne, oui, en face. Mais oui, actuellement, ça n'a pas ce nom-là, parce que je suis allée voir. Et actuellement, ça n'a pas ce nom. Donc c'est un commerce qui va certainement ouvrir bientôt. Je ne me rappelle pas l'ancien nom, hein. Le nom actuel. Oui, oui. C'est elle, mais je pense que le nom... Je sais pas. Bon. Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Troisième sujet. Aide à l'allocation au profit de commerce ou d'activité artisanale en centre-ville. Donc, convention avec la communauté de communes du Clermontais et Madame Florine Audemars, l'atelier de Florine. Alors, Madame Florine Audemars a présenté un projet de création de l'atelier de Florine spécialisé dans la tapisserie d'ameublement situé dans le centre-ville de Clermont-l'Hérault. Cette activité sera exercée sous le régime d'une entreprise individuelle. Madame Florine Audemars est sous la dénomination commerciale l'atelier de Florine. Là, on est 13 rue Jean-Jacques Rousseau. Pour soutenir la réalisation de ce projet, la communauté de communes du Clermontais a approuvé par délibération en date du 20 octobre 2020 l'attribution d'une aide à l'allocation d'un montant de 672 euros hors taxe par an au maximum sur une période de 2 ans, ainsi que le projet de convention 6 juin qui établit notamment la participation respective comme suit. Montant maximum de l'aide, 1 344 euros. Montant d'intervention de la commune, 403 euros pour 30%. Montant d'intervention de la communauté des communes, 941 euros pour 70%. Il est proposé au conseil municipal de décider l'attribution à Madame Florine Audemars pour son entreprise l'atelier de Florine, une aide communale au loyer à hauteur de 403 euros maximum sur une période de 2 ans, 202 euros par an, dans le cadre du dispositif institué par la communauté de communes du Clermontais, d'approuver la convention d'attribution tripartite ci-joint à intervenir avec Madame Florine Audemars, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et à signer tout document ou acte se rapportant à l'objet de délibération.
Bien, merci. Alors c'est au bas de la rue Jean-Jacques Rousseau sur la gauche. C'est une jeune dame qui travaille des fauteuils ou autres avec des tissus. C'est assez intéressant. Bon, mais la période actuelle, ma foi, est un peu difficile, voire très difficile. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, bah écoutez, qui est contre, qui s'abstient? Merci beaucoup. Point 8, donc désignation des représentants du conseil municipal dans les organismes extérieurs. Il s'agit du conseil d'administration. En fait, non, ce n'est pas du conseil d'administration, de l'assemblée générale du lycée agricole de Gignac. L'objectif étant, j'ai eu le directeur du lycée agricole qui m'a rappelé que ce lycée était géré par une association, qu'il souhaitait, pour les communes de plus de 5000 habitants, avoir des représentants au prorata du chiffre de population. Et donc, il nous propose d'avoir deux représentants à l'Assemblée générale en vue de désigner les membres du conseil d'administration. Alors, l'intérêt pour nous, outre l'activité proposée dans cet établissement, c'est le cas échéant de pouvoir conventionner avec des chantiers écoles pour l'entretien des parcs et des jardins sous la responsabilité, bien sûr, des services techniques. Il y a également un établissement identique à Pézenas, je crois, qui est également un lycée agricole. Donc on va essayer de s'orienter vers cette voie, de telle sorte qu'on puisse travailler sur le plan éducatif, de l'insertion sociale et professionnelle, avec des jeunes de ces chantiers. Voilà. Alors je propose de désigner, parce qu'elle connaît bien le sujet, Corinne Gonzalez, ici présente, et Catherine Klein. C'est bien ça ? Ah, d'accord. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci bien. Ensuite, point 9, proposition de taux de promotion pour les avancements de grade. Monsieur Faustin. Donc, ressources humaines, proposition de taux de promotion pour les avancements de grade. Donc, en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, chaque assemblée délibérante est tenue de fixer, après avis du comité technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. Ce taux, exprimé en pourcentage, doit être compris entre 0 et 100 et devra être pris pour chaque grade d'avancement. La proposition ci-après a reçu un avis favorable unanime de la commission de ressources et moyens du 17 novembre 2020 et du comité technique réuni le 25 novembre 2020. Donc, grade adjoint technique principal de deuxième classe, taux 0 parce qu'il n'y en a pas eu. Adjoint technique principal de première classe, 100%. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette proposition. Voilà. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Ruiz. Justement, 100%. Combien d'agents? Alors là, de mémoire, je ne m'en rappelle plus. Deux. Voilà. En fait, c'est la résultante de... Voilà. Très bien, merci. D'autres questions? Bien, je mets aux voix. Monsieur Garcia n'écoute plus et Laurent Ando non plus, mais c'est pas grave. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il en est ainsi décidé. Nous passons au point numéro 10. On ne change pas une équipe qui gagne, monsieur Faustin. Les lignes directrices de gestion. Donc, ressources humaines, ligne directrice de gestion. Donc, le législateur a souhaité moderniser la gestion des ressources humaines dans la fonction publique territoriale à travers l'obligation d'élaborer des lignes directrices de gestion au sein de chaque collectivité. La loi de transformation de la fonction publique numéro 2019-828 du 6 août 2019
précise ainsi que les lignes directrices de gestion poursuivent deux objectifs. Premièrement, déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Deuxièmement, de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En effet, la commission administrative paritaire CAP n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021. Le décret numéro 2019-1265 du 29 novembre 2019 définit les modalités de la mise en œuvre. Ainsi, les lignes directrices de gestion doivent être arrêtées par l'autorité territoriale après avis du comité technique, à effet du 1er janvier 2021 pour une durée de 6 ans. Elles seront révisées tous les 3 ans. En ce qui concerne spécifiquement la promotion interne, le président du centre de gestion définit un projet qu'il transmet pour avis, après avis de son propre comité social territorial aux collectivités affiliées. Un travail de concertation associant élus et délégués du personnel a été réalisé pour élaborer le document joint qui dresse un état des lieux et définit les grandes lignes d'une stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de la collectivité. Ce document a reçu un avis favorable unanime du comité technique réuni le 25 novembre 2020. Il est précisé qu'en matière de promotion interne, le comité technique a également donné un avis favorable unanime au projet défini par le centre de gestion de l'Hérault dans la circulaire 2020-10, ligne directrice de gestion en matière de promotion interne ci-jointe. Le maire ayant arrêté en date du 25 novembre 2020 les lignes directrices de gestion de la commune de Clermont-l'Hérault telles que présentées ci-dessus et dans le document joint, il est donné information au conseil municipal. Voilà, merci. Donc, c'est une information, mais qui ne. Il n'y a pas de vote sur ce dossier. Simplement pour rappeler que nous avons réuni pour la deuxième fois le comité technique, le 25 novembre dernier, pour notamment aborder cette question. Et puis, il faudra regarder pour l'avenir une question qui est assez préoccupante et qui concerne la pyramide des âges. Puisque, comme ça, de manière un peu approximative, mais ça donne quand même une indication, l'an prochain, c'est 7 agents municipaux qui ont vocation à partir à la retraite et c'est 33 sur la durée du mandat. Donc il y a une question importante qui tient à la continuité des services publics, aux missions à accomplir et à la meilleure façon de le faire. Voilà, c'est un sujet que nous aborderons lors d'un prochain conseil. Jean-Marie ? Oui, pardon, oui. Comme on l'a fait sur certains sujets, puisque pour les promotions, j'ai pu assister en tant que membre de la commission au débat. Vous avez, lors du dernier conseil, accepté sur le principe que des élus de votre opposition soient présents au CHSCT. En fait, je vous fais la même remarque pour les comités techniques. Il pourrait être intéressant qu'effectivement vos élus de la minorité ou de l'opposition soient présents pour participer à ces débats. On a pu en parler tout à l'heure, que ce soit pour les futurs règlements. Je remercie la proposition qui m'a été faite. Mais voilà, sur ce type de débat, on aurait été intéressé pour être en comité technique et participer au débat avec les élus les agents du personnel et les élus en tout cas. Bien, bon, oui, d'accord. Sur le principe, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Après, bon, il y a le respect des règles. On avait 7 ou 8 questions à aborder avec ce comité technique, qui est un instrument de dialogue social important. Et je note que tous les points ont été votés à l'unanimité, et donc y compris par les représentants du personnel. Bien, merci. Jean-Marie. DIA non préempté. Bon. Urbanisme, DIA non préempté. Donc aujourd'hui, comme ça a été rapide, je vais toutes les lire quand même, non? Donc du 26 octobre au 10 novembre, 16 DIA non préempté. Si. Voilà. Je m'arrête là. D'accord. Merci. Oui, c'est dans le dossier. Donc voilà, dont acte, il n'y a pas de vote.
De même, en ce qui concerne les décisions prises par le maire, Jean-Marie. Donc, décision prise par monsieur le maire, en application de l'article, je me regarde de parler un peu, L2122-22, dans l'objet, exonération de la redevance terrasse sur la période courant du 2 juin au 31 décembre 2020, réalisation d'un prêt à taux fixe montant de... Il a manqué un zéro, là, non ? Voilà, c'est 100 000 euros auprès de la Banque Postale pour le financement d'investissement. Demande de subvention au département de l'Hérault pour la réalisation de travaux de sécurisation et d'entretien du château des Guillens. Demande de subvention pour la réalisation des travaux de sécurisation. Deux fois ? Oui, et sécurisation du château des Guillens. Voilà. C'est pas... Il y a eu deux demandes. Oui. D'accord. Merci Jean-Marie, monsieur Rugani. Je prends plaisir comme vous à parler, monsieur Sabatier. Non, j'avais une question sur le taux qui a été déterminé pour le prêt à taux fixe. Quel était le taux pour les 500 000 euros ? Madame l'adjointe aux finances. 0,73. Merci. Voilà. Merci. Écoutez. Je rappelle simplement ce que je disais en préambule à ce conseil municipal, lors du précédent conseil municipal, trois questions ont été posées par M. Garcia sur le PAE des Servières, par Mme Blau-Poncé sur la situation du personnel et le dispositif des œuvres sociales en vigueur, et par M. Ruiz sur la communication des PV des commissions de sécurité concernant l'école Villard. Ces documents vous seront apportés, ils seront joints à la convocation du prochain compte rendu de conseil municipal. C'est Jean-Marie qui me trouble. Conseil municipal qui aura lieu le 17 décembre. Merci. Je vous propose, pour faire suite à la proposition de Laurent Do, d'observer une minute de silence à la mémoire du président Valéry Giscard d'Estaing.